Also ungefähr so viele Menschen unserer Rasse, als zum Beispiel Dänemark Einwohner hat. Diese Deutschen sind nun ebenfalls Geschöpfe Gottes. Der Allmächtige hat sie nicht geschaffen, damit sie durch eine Versailler Staatskonstruktion einer fremden, ihnen verhassten Gewalt ausgeliefert werden. Quelle inspiration, Werner. Quelle grandiose inspiration. Oui, monsieur le comte. Und er hat die 7 Millionen Tschechen nicht geschaffen. Das sind 3,5 Millionen Deutsche überwachen, bevor... Veillons à ne jamais oublier, Werner, jamais. Jamais. Vous voilà prêt pour le rendez-vous, monsieur. Oui, c'est bien le mot. Soyons à l'heure, Werner. Il faudra toujours vous en souvenir, Werner. Non, monsieur. Nous sommes rouillés, Werner. Nos réflexes ne sont plus ce qu'ils étaient. Il me faut ce que détient cet homme, Werner. Et je l'aurai. Thank you.
Bonjour. Ah, bonjour, bonjour, monsieur Wilde. Une seconde, s'il vous plaît. Votre courrier, monsieur. Et voici la clé. Ah, très bien, vous y avez pensé. Oui. Alors... Dites-moi, vous excuserez ma curiosité, monsieur, mais qu'est-ce que c'est? Ça? Attendez, c'est... Ah bon, ça, c'est des camemberts, sans aucun doute, et du canard en soupe. Ah bon? Et puis du saucisson. Oh. Et ça vient de ma tante Olga. Ah, c'est votre tante qui vous l'envoie. Et si je suis pas chez elle, elle croit que je me laisse mourir de faim. Oh. Elle ne sait pas que sa cuisine est dangereuse. Vous pourriez en mourir. Je le suppose. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au courant? Ah, non, pas du tout. Ah. Bonjour. Oui, c'est encore le mieux. Regardez mon courrier, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Eh bien, mettez un jour. Suzy. Oh, pas. Excusez-moi. Attendez, je vais tout ramasser. Madame Wigger. Ah, mais ne me remerciez pas, hein. Pardon, excusez-moi, monsieur. Pardon. Suzy. Honey, moi, je suis heureuse de toi. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Devine. Tu cherches un joli garçon? Je suis mariée. Oh, chérie, j'aimerais te présenter un vieil ami, Danny Wilde. C'est mon mari, Frank Wigger. Enchanté, monsieur, et mes félicitations aux heureux époux. Merci, Suzy m'a beaucoup parlé de vous. En mauvais terme, je parie. Tenez ça, voulez-vous? Ça vous ennuie pas si j'embrasse la mariée? Hein? Nous allons passer de bonnes semaines ici, on pourrait peut-être se voir. Oh, mais voilà, une excellente idée. J'amènerai un vieil ami avec oui, moi, alors à bientôt. Et gardons-nous un peu d'un coup. N'oublie pas surtout d'aller. Au revoir, Franck. Mais pourquoi ne m'invite-t-on jamais au mariage? Vous le savez. Avec un peu de chance, tu seras convié à la nuit des noces. Oh, vous voyez ce que je vois. Merci, je vais le porter dans ma chambre. Alors, comment vas-tu, toi? Oh, mais très bien. Oh, c'est ton nouveau costume? J'ose espérer qu'il est à ta convenance. Ah, mais je ne savais pas que tu ramassais les vieilles peaux dans les poubelles. Sache pour ta gouverne que mon costume a été réalisé à base de poils de queue de lama. Oh, c'est pas tant. Quand ce lama t'aura donné un manteau, vole la peau d'un lama nain pour te faire un petit sac. Hein? Ton tailleur a un certain sens d'humour. Ah oui, oh oui, oh oui. Et Daniel, est-ce que tu as pensé à te laver ce matin? Oui, ça c'est l'odeur d'un saucisson hongrois que ma tante m'a... Tante Sadi. Ah oui, c'est exact, mon cher. Bon, tu as fini tes plaisanteries de ma vie. Mais bien sûr, alors, bien, on y va. Oui, je crois, d'accord. Faites porter ça dans ma chambre. Hein. Attends, je vais t'aider. Ah oui, mais fais attention, j'ai peur que tu te fasses mal, c'est un peu lourd. Oh, c'est amusant, ça. J'avais raison de jouer. Oh, mais oui, il va les avoir. Formidable. Allez. Ah, il est vainqueur? Non, pas du tout. Ah, non. Ça fait quatre courses qui rapporte rien. On n'a pas de vin. Je ne te fais pas dire. On fait peut-être bien de jouer une jument maintenant. Tiens, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Excusez-moi. C'est bon, il faut que je trouve une jument. Oh, pardon, monsieur. Eh, voyons. Ah, ben voilà une jument. Hein? Paf, paf. Tu crois que c'est une jument? Paf, paf. Quand j'avais 18 ans, j'ai connu une fille qui s'appelait Gretchen. À 18 ans? Tu as vraiment une mémoire remarquable. Elle était plutôt grande et elle ressemblait à un cheval. Je t'assure qu'elle peut nous venger. Là, paf. Mais quel rapport avec paf, paf? Ben, je croyais que t'avais compris. Oui, à chaque fois qu'on la taquinait d'un peu trop près, on recevait deux bonnes gifles. Qu'est-ce que j'ai pu en prendre, moi? Pardon. Attends, je vais m'asseoir là-bas. Ah. Bonjour, mademoiselle. Daniel. Oui. Je vois que tu t'es mis en vedette. Hein? Oh, c'est moi. Suzanne Villaigne est mariée. Suzanne Villaigne, dernière fille de l'infâme marquis de Villaigne,
Il vient passer sa lune de miel à Paris avec son mari, le multimillionnaire Frank Weger. Suzy est une très chic fille. C'est tout de même la fille de Villaigne. Oh, bon, je ne vois pas en quoi elle est responsable des actes de son père, oui. Je m'appuie sur des faits historiques, simplement. Écoute, il a commis, ou du moins on l'accuse d'avoir commis des crimes. Pourquoi devrait-on en faire le reproche à sa fille, enfin? Elle est très chic. Oh, mais au fait... Ah, ben ça y est, j'ai trouvé un nouveau système. Oui, lequel? On va parier sur les tocards. Mais c'est exactement ce que nous faisons depuis deux heures. C'est pas beau joueur. Ah, viens, on va prendre un verre. Il faut tuer cet homme. Oui, entendu. Regardez-le bien, sombre idiot. À l'arrière-plan, l'homme qui tient cet aigle. Il s'appelle Wild. Daniel Wild. C'est Werner qui a eu ce renseignement. Il est descendu à l'hôtel Plaza Athénée. Vous le remarquerez, c'est un vrai donjon de pacotille. Il faut l'éliminer. Et il faut me rapporter l'aigle qu'il tient à la main. D'une simplicité extrême. Je le suppose. Mais Luther, ne laissez aucun indice qui puisse conduire ici. Je ne suis pas un amateur. Vous pouvez compter sur moi. Je refuse d'entendre ce genre de banalité dans ce salon. J'exige des résultats, c'est tout. Trop de banalités nous ont coûté la guerre, souvenez-vous. Luther, vous avez l'air très confiant, mon cher. Oui, parce qu'en me regardant, vous ne voyez qu'un vieillard aux cheveux blancs. Parce que Werner n'est plus aussi jeune qu'autrefois. Montrez-lui que nous sommes encore dangereux, Werner. Bonne chance, Luther. Pauvre idiot, Werner. Oui, monsieur. Il faut le suivre. Laissez-le accomplir son travail, puis résiliez le contrat. Je pars à la seconde. J'en sais rien, on a raccroché quand j'ai répondu. Dis donc, t'as tout de même pas déjà un code secret avec un amant? Si c'est un homme qui répond, il doit raccrocher. Franck, tu es l'homme le plus jaloux que j'ai épousé. Tu ferais bien de t'en souvenir. Idiot. Ça n'a pas de caractère religieux, c'est une abréviation pour Saint-Clair. Bien. Ça, je suis heureuse.
heureuse de te retrouver à Paris. Je n'étais pas au courant. Quelle chance! J'ai vraiment été très bousculée, si tu savais. Ce fut fantastique, mais les collections sont absolument horribles. Quelle chance de t'avoir rencontrée. Mais tu as un chapeau délicieux. Ah oui! Monsieur, rien pour le moment. J'attends un ami qui doit venir. Bien. Je suppose qu'il y a eu de l'animation dans l'hôtel. J'ai vu la photographie. Ah oui, monsieur. C'est monsieur et madame Wegger. Et Danny était là, lui aussi. Hein? Et c'est bien lui, je ne me trompe pas. C'est Danny Wilde. Ah, c'est exact, monsieur. C'est monsieur Wilde. Ah, j'en étais sûr. Je peux avoir un téléphone, s'il vous plaît? Tout de suite. C'est vrai? Je vous promets, Prune, que de ma suite, vous aurez la plus extraordinaire vue qu'il y ait à Paris. Prenons un verre, puis je serai heureux de vous en faire profiter. La vue n'est pas un prétexte pour me faire monter dans votre chambre, Sinclair? Prune, qu'allez-vous donc imaginer? C'est bien le numéro de monsieur Wilde. Ah non! Ah, mais oui, voyons, c'est vrai. Comment ai-je pu commettre une telle erreur? Oh, monsieur, ce n'est plus la peine. Monsieur Wilde vient juste de passer la porte. Vous devez comprendre que ma présence dans votre chambre est uniquement motivée par cette étonnante vue. Oh, pardon, vous disiez? Est-ce que la vue est un prétexte? Oui. Comment, oui? Vous savez bien que je ne suis pas ce genre de fille. Attendez, je vais prendre des photos et je vous en enverrai une. Je prétends ne pas être ce genre de fille, mais elle aurait au moins pu essayer de me faire changer d'avis. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô? Oui, j'écoute. Et non, c'est pas monsieur Schwartz, vous êtes trompé, mon vieux. Une minute, voilà, j'arrive. Oh. Oui, qu'est-ce que c'est? Monsieur Wilde. Oui, c'est moi. Oh. Oh, pardon, excusez-moi. Bien. Où est-ce qu'il est? Mais vous... Mais qu'est-ce... Mais qu'est... Oh, enchanté. Pardon. Tarzan. Ah! Bon, et maintenant, dis-moi ce qui s'est passé. Oh, à vrai dire, pas grand-chose. J'ai simplement expliqué à la police comment je me suis retrouvé dansant dans la rue avec un mort. Bon, alors à mon tour maintenant. Qui est ce gars?
Il s'appelait Siegfried Luther. Il y a tout lieu de croire qu'il n'avait aucun grief personnel contre toi, mon cher Daniel. Écoute-moi avec attention, pauvre taré. Comment appelles-tu l'envie d'envoyer une balle entre deux yeux, mes yeux, hein? Tu veux écouter? Ben, je ne fais que ça. La police pense que ce monsieur était un tueur à gages. Oh, je peux connaître ton avis. Eh bien, je pense qu'ayant déjà tenté de t'abattre une fois, ceux qui te veulent du mal vont tenter de t'éliminer avec un autre tueur. Oh, je vais revoir mon contrat d'assurance, hein? Allô? Oui, c'est bien ça. Pardon? Je vous entends mal. Quoi? Mais non! Oh, pas tout de suite, non! Qui êtes-vous? Allô? Qui était-ce? Un faux numéro. Ce n'est rien. Encore? Écoute, je n'ai plus de carte postale. Je vais m'en acheter d'autres en bas et... Mais ce n'est pas la peine. Appelle le garçon. Oh, mais inutile, mon chéri. Inutile de le déranger pour ça. J'en ai pour une minute, c'est tout. Suzy. Chérie? Est-ce que tout va bien? Oui. Je n'ai jamais été aussi bien. Devions-nous rencontrer en bas. Pour ce genre de transaction, j'ai préféré l'imprévu. Qui êtes-vous? Ne vous le demandez pas, c'est vous qui importez. La dernière fille de l'infâme marquis de Villaigne, le célèbre traître, c'est bien le surnom qu'on lui a donné, l'homme qui a vendu la France aux Allemands. Il faudrait qu'on le prouve. Beaucoup de monde le pense. Je n'en ai que faire. Est-ce que vous aimeriez prouver que ce n'est pas un traître? Ah, bien sûr, je demande une somme importante, mais vous avez un mari riche, n'est-ce pas? Je refuse de lui emprunter le moindre argent, voyons. C'est évident. Eh bien, pensez-y. Je vous rappellerai. Et surtout, ne me suivez pas. Je suis de la vieille école. Merci. C'est bien la première fois que je monte avec un homme dans sa chambre, mon cher. Vous me croyez, bien sûr. Oui, si vous voulez bien croire que je n'ai jamais demandé à une femme de venir dans ma chambre avant vous. Touché. Ah, ça va? Oui. Toi aussi? Oui, merci.
Qui est-ce? Ne vous laissez pas distraire. J'espère qu'il est frais à souhait, parce que j'ai vraiment très chaud, pas vous? Ne t'inquiète pas, Daniel, je suis là. Daniel? Où est-il encore allé? Quelle apparition. Qu'est-ce que tu faisais là? Cherche. C'est tous les remerciements que j'ai pour t'avoir sauvé la vie. Merci beaucoup. Quelqu'un a l'air bien décidé à t'éliminer. Deux fois la même journée. Mais c'est vrai, oui, mais pourquoi moi? Pourquoi s'acharne-t-on sur moi? Ne me dis pas que tu as fait une bêtise autrefois. Pas du tout. Mais qui ça peut-il être? Mais écoute bien ce que je te dis, hein. Je ne fuirai pas, et toi non plus évidemment, avant d'avoir découvert qui sont ces gars qui veulent me tuer. Et ils n'ont qu'à bien se tenir. Bon. Daniel, je suis désolé de vous réveiller, Madame Weger, mais vous avez eu le temps de réfléchir à mon sujet. Êtes-vous intéressée? Oui, je dois dire que ça ne m'étonne pas. Alors vous recevrez des instructions. Mais dites-moi un peu plus dès maintenant. Allô? Allô? Eh bien, je ne crois pas qu'ils essaient encore une fois cette nuit. Non, moi non plus. Je te suggère de coucher avec la Bible à côté de toi. Je pense que j'ai de quoi m'occuper. Ah, pendant que j'y pense, s'ils tentent de te tuer, tâche de ne pas faire trop de bruit parce que tu bouleverses un peu trop ma vie amoureuse. Ah, mais je ne savais pas. Bonne nuit, Daniel. Bonne nuit et merci encore. Oh, Daniel, il faut que tu viennes quoi? À mon secours. C'est horrible, bonhomme. Il m'appelle au téléphone. Bon, ben écoute, il veut de l'argent, mais je... Tu dirais Franck.
Viens là, voilà. Je peux pas comprendre. Voilà, calme-toi. Bonsoir. Oh. J'ai beaucoup entendu parler de votre réputation, Wilde. Oh, jusqu'à ce soir, je pensais que c'était des racontars. Mais maintenant, tenez-vous loin de ma femme, compris? Mais Franck, ce n'est pas ce que tu crois. Oh non, encore? Ne me dites pas que vous n'avez pas su réfréner vos dessins érotiques, monsieur Wilde. Oh, c'est rien, c'était qu'une simple prise de contact. Ce sont de bons amis. Eh bien, je te conseille de ne plus participer à leur lune de miel. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Qui aurait cru ça de vous? Non! Prune! Prune! Non, je ne bouge plus. Daniel, je crois que ce n'est peut-être pas notre période de chance. C'était ridicule et mal préparé. Par chance, la situation n'est pas irrémédiable. J'ai obtenu l'aide qu'il nous fallait. Puis-je savoir de qui? Grosse qui? Ce chacal. Et alors? Il est très brillant. C'est un sauvage. Peut-être, oui. Mais il est efficace dans son travail. Je peux savoir quand il arrive? Il est déjà ici. Vous me traitez de chacal. Vous avez aussi affirmé que j'étais un sauvage, alors que vous, l'un comme l'autre, vous bêlez, vous meuglez comme des bêtes dans un champ, voyons. Oui, nous connaissons votre talent, Grosky, mais comment avez-vous l'intention de procéder avec le dénommé Wilde? Laissez-moi voir si la situation est bien claire dans mon esprit, avant tout. Donc, le dénommé Monsieur Wilde possède un objet que vous voulez désespérément, c'est ça? Oui, vous avez vu la photographie dans le journal. Et la simple possession de cet objet lui a fait apprendre quelque chose de très dangereux pour vous. Et c'est pourquoi il doit être réduit au silence. Exactement. Mais je ne vois pas où est le problème. Cela semble très simple pour ma part. Appelez-le, voulez-vous? J'ai envie de le convier à une invitation qu'il ne saurait refuser aujourd'hui. Premièrement, un de mes employés va offrir à notre homme une somme d'argent faramineuse. Ensuite, quand j'aurai récupéré votre bel oiseau... Danny Wilde, s'il vous plaît. Je pourrais... Merci. Il sonne sa chambre, Grosky. Ah, Monsieur Wilde, veuillez écouter attentivement ce que je vais vous dire à cette seconde. Je vous écoute. On a déjà souvent attenté à votre vie, et cela va continuer. Mais vous vous en doutez, n'est-ce pas? Si vous concluez un marché avec moi, toutes vos craintes pour votre vie cesseront, je vous le garantis. Tant mieux, vous allez voir que mes termes sont plutôt généreux. Voudriez-vous en discuter avec moi? Bon, je pense qu'une somme approchant les 100 000 francs actuels serait un chiffre qui pourrait convenir. Oh, mais j'espère que ça vous conviendra, sinon j'en serais désolé. Oh, bon, vous n'avez qu'à me dire où et quand, et vous m'y trouverez. Oui, et est-ce que ce sera long? D'accord, oui, je vois. Je vous y attends. Au revoir. Bien, j'aimerais... Alors, est-ce qu'il est d'accord? Bien sûr qu'il est d'accord. Moi, je veux que ce marché semble aussi authentique que possible, donc je lance un emprunt. Ah, mais ne vous inquiétez pas, voyons. Je vous le rendrai quand tout sera réglé. Donnez l'argent, Werner. Bon, il me faut avertir mes associés. Mmh.
Voilà, c'est là. Il vaut mieux que j'entre avant toi. Donne-moi deux petites minutes et quand tu entres, on ne se connaît pas. Bon, d'accord. Bonsoir, mademoiselle. Combien ? 10 francs, monsieur. Combien ? 10 francs. Vous ne portez pas d'armes sur vous. Comment le savez-vous? On va s'asseoir. Vous ne voulez pas me fouiller encore une fois? Et si je vous fouillais, moi? Nous avons pensé que vous préféreriez traiter notre affaire au milieu de cette foule. Bah, pas forcément, mais... si vous y tenez. Oh, pardon. Vous pourriez avoir suspecté quelque chose si nous avions choisi un endroit désert. Oui, probablement, mais je peux savoir ce que vous aimeriez faire maintenant. L'avez-vous ici? Oui, je l'ai ici, oui, bien au chaud. Je croyais que ça prenait plus de place. Mais comment le voyez-vous, mademoiselle? Je n'en sais rien, je n'en ai jamais vu. Mais vous avez de l'imagination. Tenez, voici de quoi faire l'échange. Ah oui. Tout est là. Merci infiniment. Non, j'ai dit de quoi faire l'échange. Oh, la petite futée, j'ai tout là dans ma poche. Excusez-moi, mais c'est de l'argent. Mais ça aussi? Ah, mais je suis pas ici pour acheter des billets, vous comprenez? J'en apporte. Mais vous aviez pourtant aussi rendez-vous. Oui, c'est exact, mais pourquoi voulez-vous que j'achète de l'argent? Vous vendez quelque chose? Ah, mais pas du tout, je suis ici pour acheter, c'est pourquoi j'ai apporté ce paquet. Mais c'est moi qui achète. Eh bien, celui qui doit vendre ne vend rien, c'est bien ça. Du moins, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire, retournons vers la porte et reprenons là où vous m'avez fouillé. Je vous parie que... Où allez-vous? J'en ai pour une minute. Je regarde ça pour être sûr de vous revoir, hein, et que je ne vous surprenne pas à fouiller n'importe qui. Peux-tu me dire ce qui se passe? Jamais j'avais été fouillé comme ça. Il y a un début à tout. Excusez-moi une seconde.
Vous voulez-vous le laisser, je vous prie? Excusez-le, mais... Oui. À mon avis... Excusez-moi. À mon avis, il y a une sorte de petite confusion. Mais à vrai dire, je cherche quelqu'un qui a essayé de me tuer. Je viens payer pour avoir des informations, c'est tout. Au revoir, monsieur. Ne filez pas comme ça. Je suis là car je veux la bête. Oui, quelle bête? Celle que vous tenez ici, cet oiseau, vous voyez. Ah, il n'est pas à moi, mais au gars placé derrière le photographe. Il a fait tomber sa valise, j'ai tout ramassé pour lui. On a pris une photo au même instant. Voilà toute l'histoire. Vous voulez dire que c'est une erreur? Ah oui, ça c'est... Oui, vous ça vous c'est une... Les idiots, je... Oui, et je vous trouve plutôt gentil pour vos petits amis. Vous savez, monsieur Wilde, cette erreur doit être corrigée le plus tôt possible. Oh, ben avec plaisir. Tenez, voici l'argent et prévenez vos gens. Hein? Oh. Non, pas ici, enfin, tu es malade. Écoutez, allez vous amuser dehors. Non, mais comprenez-moi bien, monsieur Wilde. J'en suis désolé pour vous, mais vous. Vous en savez déjà beaucoup trop. Eh ben, je suis pas certain, mais si vous le dites, je suis d'accord. Je voudrais que vous compreniez que je ne fais pas ça par plaisir, vous comprenez? Rassurez-vous. Alors, je vais vous dire ce que j'attends de vous maintenant. Alors, vous allez vous diriger vers ces escaliers, vous avez compris. Oui, c'est très clair. Et n'oubliez pas que vous avez une arme pointée dans l'air. Oh, je sais bien. Ou alors, faites attention. Tenez, c'est à vous. Oui, alors, merci beaucoup. De rien. Bon, alors, maintenant, allons-y. Oui, d'accord. Pourquoi? L'argent! Merci. Tu as été magnifique. Allez, viens, ton Altesse. Quelle belle ambiance. Oh oui. Une farce. Votre stupidité a failli nous faire commettre une folie. Après avoir vu la photographie, il était absolument logique de déduire que ce monsieur Wilde l'avait en sa possession. Dans ma partie, je travaille sur des certitudes et non sur des déductions, Marceau. Je vous ai engagé pour nous aider et non pour nous critiquer. Nous perdons du temps. Nous devons faire vite maintenant. Mais voyons, faire quoi? Nous n'avons aucune idée de l'identité de l'homme qui détient l'objet. Possible. Mais nous savons en tout cas qu'il y a seulement deux personnes au monde qui peuvent être intéressées par ce maudit aigle. Moi-même. Et l'héritière du marquis de Villaigne. Exactement. Quand l'homme lui proposera l'aigle, il faudra l'intercepter. Un oiseau. Toute cette histoire à propos d'un oiseau, Brett. Daniel, c'est la septième fois que tu le dis. Un objet. Ils ont tenté de me tuer pour avoir un objet en bronze. En tout cas, cela prouve qu'il est dangereux de bousculer des inconnus sans avoir pris des renseignements. Dire qu'il y a eu erreur sur l'objet, c'est navrant. Erreur sur la personne. J'ai eu un ancêtre russe autrefois qui fut pris, lui aussi, pour un autre. Si tu veux tout savoir, je n'ai pas envie de t'écouter. Le prince de quelque chose. Je m'en moque. Tu vas finir tes œufs? Non, vas-y, termine. Comme ça, tu parles pas. Cela se situe donc au temps où fleurissait la Révolution. Je t'ai dit, ça m'intéresse pas. Sa femme et lui étaient en train de parcourir l'Europe tout entière, mais en arrivant près de Paris, leur attelage fut entouré par un groupe de révolutionnaires. Je dois te dire que mon ancêtre présentait une certaine ressemblance avec Louis XVI. Avant d'avoir pu se défendre, le pauvre s'est trouvé sur la guillotine. Est-ce que c'est réellement arrivé? Tiens. Tu vois, il se tenait comme ça, la tête en position. Le couperet s'apprêtait à tomber. Mais sa femme se fraye un chemin et explique la situation à la foule. Oh, elle lui a sauvé la vie. Elle ne parlait pas français. Elle s'est remariée peu de temps après.
Et tu me fais le coup à chaque fois. Et chaque fois, je me laisse avoir. Bien, maintenant, essayons de résoudre ton cas, Daniel. En fait, ce qui est clair, c'est que tu es venu percuter un passant. Excuse-moi, en fait, c'est l'inverse. J'étais à peu près immobile. Sa valise s'est ouverte en tombant. Je me suis baissé pour ramasser ses affaires. Et on t'a photographié baissé. C'est presque ça, et je tenais cet objet. Hein? Il semble que l'homme qu'ils veulent abattre est celui qui t'a bousculé, tout simplement. Oh, étonnant. Où est-il sur la photo? Ah, ben, il est caché par un photographe. On le voit pas. Ah, c'est bien dommage. Oui, je l'ai déjà dit. Parce que c'est la clé de toute l'histoire, il faut le trouver. Mais comment veux-tu trouver un homme que je n'ai vu que deux petites secondes dans Paris? Enfin, je suppose que tu plaisantes. J'ai vu un film. Laisse-moi regarder ça. Attends, c'est pas le bon. Bonté divine, ça y est. Tu as le nom de l'ancêtre russe, allez, c'est ça? Allez, viens, suis-moi. Elle ne parlait pas le français. Quoi? Si tu continues, je vais t'apprendre un langage universel, moi. Vous êtes sûr que cet appareil fera l'affaire? Mais bien sûr, voyons. J'utilise toujours les appareils électroniques qui sont les plus au point. Et vous avez eu le temps de fouiller dans les moindres recoins? Oui. Ce matin, ils m'ont laissé près de 20 minutes. L'oiseau ne se trouve pas dans la chambre. Vous entendez? Écoutez. Allô? Je pense qu'il est temps de parler à faire, Madame Moyer. Pourrait-on se voir? Oui, quand et où? Je vous écoute, allez-y. Venez dans une heure, voulez-vous? Au 9, impasse du Bois de Seine. Il a laissé échapper sa valise et quelques lettres se sont éparpillées sur le sol. Voici un agrandissement d'une adresse imprimée sur une lettre. Voilà. Magnifique. Excellent. Voilà tout ce que je peux faire avec ce que vous m'avez donné. Ah ben c'est magnifique. Ça vous ira? Oh, ben bien sûr. Tiens, et voilà notre numéro. 9 est plutôt coquet. Tu peux ranger ton plan, mon vieux. Attends-moi. Tu es sûr qu'une de tes tantes ne garde pas de la nourriture par ici? Ah ben, voilà qui est amusant, tu vois. On peut savoir pourquoi tu penses que c'est là? Mais il y a une porte, non? Commençons par en haut, c'est plus normal. Daniel, je t'en prie. Là. Chut.
Daniel, si tu veux l'avis d'un non-spécialiste, nous voilà en présence d'un cadavre. Est-ce que c'est l'homme à l'oiseau? Ou plutôt, est-ce que c'était l'homme à l'oiseau? Ah oui, c'est bien lui, sûrement. Ah, on dirait que l'oiseau a pris la poudre d'escampette. Pourrais-je poser quelques questions à ton ami d'enfance? Oh, ben vas-y, demande-lui ce que tu veux. Voyons, mes amis sont tes amis, tu le sais bien. Non, ben, ne te gêne pas. Madame Weger. Qui était-ce? Je n'ai jamais su son nom, mais... il m'a téléphoné plusieurs fois. Et nous avons pris rendez-vous. Mais quand je suis arrivée, il... Et puis il était là. Je vais sans doute vous sembler trop indiscret. Et pourquoi vouliez-vous le voir? Parce qu'il disait pouvoir prouver que mon père était innocent. Innocent? Innocent de quoi? Vous ignorez cette histoire? Oui, il n'est pas au courant. Enfin, je ne crois pas. J'ai pour, disons, règle d'or de ne pas prêter l'oreille aux on-dit. Pourquoi ne dites-vous pas toute la vérité? Ce n'est pas bien compliqué, vous savez. Après la fin de Berlin, les papiers ont été mis à jour et révélés au public. Ils prouvaient qu'un Français membre du gouvernement avait été un traître. Il avait remis des plans de défense. Oui, son père a été accusé d'être ce gars-là. On avait décidé de le faire passer en jugement, mais il s'est tué avant le début du procès. Et on a considéré ce geste comme un aveu chez nous. Tu étais au courant? Oui, je savais tout. Quelle preuve avait-il à vous donner? Je l'ignore. Il a seulement dit vouloir me la révéler si j'étais prête à payer. Quand je suis entrée, je ne l'ai d'abord pas vue. Et puis j'ai avancé dans la pièce et je l'ai aperçue là. Eh bien, Daniel, si tu n'as pas l'intention de t'initier à la pathologie, je crois que rien ne nous retient dans cet endroit. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu ça dans un film, mon vieux, j'efface tes empreintes. Je porte des gants, sombre idiot. Rigolo. Il va falloir que je change de film. Il l'a signé, Werner. Regardez. Cette signature nous indique qu'il l'a touché. Je peux. Faites bien attention, Werner. Il vous a fait un grand honneur. Oui, mais... il vous a aussi mis dans le pétrin, hein? N'est-ce pas? Si votre cadeau avait été donné à qui de droit, vous auriez eu la corde au cou. C'est une manière très, très vulgaire de mourir, mon cher. Ça représente tant d'années de patience, de recherche. Et le voilà enfin à moi. Quand on songe qu'il l'a signé. Mais il va falloir le détruire. Le détruire. Le détruire. Oui, bien sûr. Il faut absolument le détruire. La Rolls-Royce. Où ça? Voilà le facteur commun. Il y a toujours un facteur commun. Mais de quoi tu parles? Ça peut paraître surprenant, mais je crois avoir quelque chose. Vite, un verre pour me laver le cerveau. Ça peut pas te faire de mal, tiens. Tu n'as pas oublié l'homme qui t'a attaqué, qui a été tué dans la rue? Oh, je ne l'oublierai jamais. Eh bien, j'ai remarqué de l'autre côté de la rue une vieille Rolls-Royce. Mais il y a un tas de Rolls dans les parages, vieilles ou neuves. Oh, pas comme celle-ci. En fait, c'était une vieille sédancée de ville. Je crois l'avoir revue aujourd'hui. Où ça? Eh bien, il me semble qu'on l'a croisée en arrivant à l'appartement du mort. On peut peut-être la faire rechercher et découvrir celui qui nous en veut. Ceux, mon vieux, manifestement, ils sont plusieurs. Je sais à qui demander. Ah oui? J'ai un ami à Paris qui s'occupe des Rolls-Royce, donc le Charles, quand il vient sur le continent. Oh, c'est gentil, ça. Tu trouves aussi, hein? Mm-hmm.
Tiens, en attendant, je vais faire mon enquête sur ce marquis de Villaigne. Hein, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Oh, pendant que j'y pense. Oui. Je t'ai déjà parlé de mon oncle Charles. Ton oncle Charles, tu m'en as parlé suffisamment. 22 Rolls Royce. 22 fois veuf aussi, si j'ai bien compris. Tiens, c'est vrai. Oui, oh, oui. Si vous n'avez pas d'armes, entrez, c'est ouvert. Ah, bonjour. Oh, j'ai absolument rien trouvé. Moi, j'ai obtenu une liste. C'est plutôt décevant. Il y a 400 noms d'inscrits. Le duc de Valaise, la comtesse Ferenac, le comte Marceau, le baron Corot, la duchesse de Sèvres, etc. Attends, j'ai l'impression d'avoir vu un de ces noms il n'y a pas longtemps, là. Et à propos du marquis de Villaigne, rien d'intéressant? Non, rien qui en vaille la peine. Ah, bah tiens, voilà, regarde. Le comte Clément Marceau fut membre du gouvernement au moment de la capitulation. Ce Marceau a donc travaillé avec Villaigne, n'est-ce pas, Brett? Oh, voilà un indice, semble-t-il, mais il n'y a pas de quoi pavoiser. De toute façon, on n'en a aucun autre, si je ne me trompe. Quelle est son adresse? Tu la connais? Il faut aller vous coucher, monsieur. Oui. Oui, on est... J'ai froid, Bernard. Très froid. L'objet, monsieur. Il a disparu, Bernard. C'est fini. Ce n'est plus qu'un morceau de métal rougeoyant. Ça y est. Il n'y a plus aucun risque maintenant. Aucun. J'ai apporté mon fusil, alors que nous le frayons un chemin dans l'agence de Banlieusard. Hé, c'est par là. Par là? Oui, c'est par là. On arrivera plus vite par ici. Non, par là. Oh, Daniel, pourquoi ne te fies-tu pas? Écoute, mon bon sens, déjà à l'intérieur, tu n'auras pas fini ton discours. Crois-moi, je te dis que c'est par là. Tu veux parier? J'en ai assez de toujours te prendre de l'argent. Si tu veux parier, quel est l'enjeu? Le même que les autres fois. Attention, prêt, à tout à l'heure. Tu en as mis un temps. Au vainqueur. Comment es-tu entré aussi vite? J'ai simplement sonné à la porte. Oh, bah t'as triché. Ah non, je regrette. Alors, je refuse de payer ce que... Tu vas sûrement être heureux de savoir que mon plan présente un léger défaut. Ah oui, lequel? Lui. Non, on se retrouve. Bonsoir. Content de vous revoir. Je suppose que tu te demandes pourquoi je ne t'ai pas averti. C'est exact. Eh bien, il m'a fait toutes sortes de menaces quant à sa façon de m'abattre et... Tu sais que je n'aime pas plaisanter à ce sujet. Ah, bah, oui, c'est vrai. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoute-le. Non, je vais vous le dire. Je m'apprête à vous pousser au-delà de la porte de l'éternité en brisant votre souffle à l'aide de ce baiser de métal.
Je crois qu'il va nous tuer. Mais j'avais traduit aussi. Ah oui, oui, mais avec une certaine beauté, une certaine dignité. Excusez-moi, si ça ne vous ennuie pas, on tient autant à rester de ce côté de la porte. Hein? Puis-je en avoir un dernier pour la route? Oui, c'est une excellente idée, tiens, prends. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Je vous en prie. Pourquoi cet objet en bronze est-il si important? La ferme! La question idiote, Daniel. Vous les avez eus tous les deux, bravo. Merci. Eh bien, je connais un très joli vieux puits dans le jardin, qui est très profond. Oh, voici une excellente nouvelle. Allons, chers amis, excusez-moi, mais je vous prie de nous accompagner. Santé, santé. Voyager, cela n'a rien de magnifique. Ce n'est pas juste. Werner! Werner! Monsieur le comte, retournez-vous coucher, ce n'est rien. Ce n'est rien, il n'existe aucune preuve contre vous. Vous êtes fou! Vous êtes complètement fou! Je n'ai pas eu le cran de le détruire. Il l'a signé. Excusez-moi. As-tu lu l'allemand? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Grossièrement traduit, il y a écrit « Au comte Marceau pour avoir grandement aidé la France à venir se joindre à notre glorieuse patrie. » Regarde la signature. Je ne sais comment exprimer ce que je ressens. C'est merveilleux. Tu es merveilleux. Elle a trouvé un moyen. Daniel, avec ta chance, le mari ne devrait pas tarder. Daniel, regarde cette main-là. Non, Franck! Écoutez, vous avez fini de frapper à tout bout de champ. Comme... Mais tu vas leur faire mal! Mais Franck! Oh, pardonnez-le, excusez-moi. Mais ce n'est qu'un vieil ami, c'est tout. Je file dans un monastère, mon vieux. Ne compte pas sur moi, il n'y a pas de fil. Il y en a pas mal dans celui où je vais. Ah, dans ce cas, je pense te suivre.